Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est pas... C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Oh, 13h01 maintenant. Bienvenue au Geek Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Je serai votre extraordinaire... j'ai même pas dit la date. On est le 27 mai. Mais 27... Le 27 juillet. On est le 21. Et vous pensez qu'il fait par exprès. Il fait pas. On est le 21 et non le 27. Okay. Et je t'explique pourquoi. Premièrement, on est en juillet. Puis deuxièmement, on est le 21. Le chiffre 7, OK, est écrit à côté de la case « moi ». C'est écrit « M ». Donc, 7M. Ça fait j'ai lu, ça a fait 7 mai. OK. Ouh. Wow. C'est l'intro est pas finie, on se fout déjà de ma gueule. On n'a pas de geek de calendrier 7 aujourd'hui. Non, ça, hein? Ça, c'est sûr. Non, c'est ça. Peut-être faudrait s'organiser une date avec un. Date. Oh, oh c'est... Oh. Oh. Donc, en ce 27 mai. Ah, oh, ouais, c'est dans ce... OK. J'ai chaud. Mon nom est Éric Lajoie. Et moi, ainsi que ma dignité à peine préservée, nous vous souhaitons les bienvenus au Geek Contre-Attaque. Je ne serai pas seul, bien sûr, parce que mes torsionnaires cérébrales sont ici. Donc, tout d'abord, Conan Arsenault en face de moi, salut. On dit des torsionnaux cérébraux. Des torsionnaux. Cérébraux, voilà. Ah, on est aujourd'hui le Junk Food Day, donc cérébraux. Oui, parce que j'ai été curieux de savoir, écoute, chaque jour est un jour de quelque international chose. International de quelque chose. C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est le jour... international de la malbouffe. De la malbouffe. Hein? C'est bon, super. C'est quoi ce genre de journée qui passe vite mais qui laisse des conséquences? Genre. OK. Ensuite, j'ai à ma gauche, pour une deuxième visite consécutive, mon Dieu Man. Seigneur! Ça va briser l'espace-temps. Stéphane Goulet, salut. Salut. Hey, très content d'être ici encore une fois. Yes, donc tout droit des confins de Arcade Québec, bien sûr. Là, je vais te plugger parce que. Merci. Merci beaucoup. Allô? Yes, pourquoi pas? Et j'ai plugué le nom de mon show, m'a plugué le nom du tien. Yes, merci beaucoup, merci. Et derrière la console. Le nom moins mentionnable, Mikey G, salut. Ben, salut. La vie est belle. C'est tout? Ben, je fais des pitons, faites-moi pas parler. Et là, pour me supporter, simplement. Mais non, t'es capable. Je suis capable de faire des thèmes aussi. Je suis capable d'en envoyer des... Ah, ouais. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, ma voix, vous devez vous exposer au pire. Voici la geektualité. Et dans le temps où j'avais confiance en moi, ça, c'est... Oh, oui. Ouais. Ouais. Le bon test. C'est oui. Ouais. C'est jadis. Autrefois. Donc, les actualités geeks cette semaine. Donc, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon vous cette semaine? Ben, ces temps-ci, en fait, il se passe de quoi d'assez gros dans l'univers des geeks? C'était le San Diego Comic Con. Ah oui, le SDCC. Je pense que c'est terminé aujourd'hui. Ben, je pense que c'est la deuxième journée aujourd'hui, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, voilà, ça c'est toujours quand même quelque chose qui est très important au point de vue des geeks. Ouais, c'est un gros événement. Il y a toujours des nouveaux trailers qui sont sortis, il y a toujours... je sais pas si Adam Savage a été trouvé cette année, parce qu'à chaque année, il va Il est toujours déguisé en quelque chose incognito. Puis son costume est tout le temps vraiment cool. Une année, il était Hellboy, une année d'après, il était... En Totoro. Ah, pour vrai, j'ai pas Totoro, vu ça. Après ça, wow. Il était en aussi, comment il s'appelle? C'était pas un personnage de Money de Spirited Away. C'était le Ghost. Ah ouais, ok. Il se promenait avec ça, puis il donnait de l'or à tout le monde qui donnait des... Wow. Qui parlait. Wow. Il y a eu un genre de Spartan Armor de Halo. Ouais, c'est sûr. Ça, il l'a fait, hein. Oui, il l'a fait. Il l'a fait, oui. Oui, il y a son Chewbacca avec C-3PO dans un filet dans le dos. Money était déguisé lui-même. Oui. Il y avait un costume lifelike, un peu comme Bryan Cranston avait fait, là. Au Comic Con qui était déguisé lui-même. Avec un masque en robeur avec sa face, mais quand il l'avait, c'était vraiment lui. Aïe, aïe.
Donc, je sais pas si cette année il a été trouvé, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties, ouais. Il y a des concours, hein, pour quand Adam est incognito, justement. Hier, il y avait un concours, il fallait le suivre sur Twitter parce que il y a quelqu'un qui tweetait quand Adam allait être là, puis la première personne à l'identifier allait avoir deux passes pour aller dans son panel VIP. Ouais. Fait que mais apparemment ben en tout cas là on le voit dans une espèce, il y a de l'air de Shovel Knight. Ouais, il y a une espèce de, on voit une armure sur le site de Tested, on voit une armure mais je sais pas, on voit un chevalier en armure tout ce qui est plus classique mais je sais pas si ou c'est peut-être l'armure qui s'était fait donner pour du film Warcraft, je sais pas si t'as vu l'épisode où ce qui déballe ça. Non, j'ai pas vu mais waouh, des grosses armures de c'est capoté. Wow. Ça t'en fond mais tu sais, traité, là, c'est extraordinaire. Ooh. Quel matériel de fou. Anyway. Ça coûte cher, hein, ce matériel. Oui, mais ben, moins cher que tu peux te l'imaginer. Ah oui, OK. Je veux dire, pour avoir un suit qui est comme une réplique, ce qu'ils appellent les Hero Replica, c'est-à-dire ceux qui servaient pour les gros plans, ouais. Okay? Ces suits-là coûtent toute l'armure au complet que l'épée. Là. C'est peut-être 200-300$ par morceau, des fois un peu plus. Donc, au total, tout, c'est peut-être 2500-3000. C'est quand même abordable. Dans le cosplay, c'est pas si pire. Parce que tu peux avoir des armures de Stormtrooper qui coûtent plus cher que ça. Bon, oui, non, clairement. Oui, c'est ça. C'est quand même pas si pire. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Justement, au SDCC, j'ai vu une nouvelle assez triste, mais en tout cas, James Gunn, oui. Qui s'est fait sacré dehors de Marvel à cause de certains tweets. De v'là 10-15 ans. Ouais. Effectivement. Puis, il était pas très drôle. Moi, j'ai lu ses tweets, pis t'as comme, ok, ouais, c'est des jokes wrong. C'est vraiment wrong comme joke. C'est des jokes que tu peux faire dans un bar quand tu fais un stand-up, tu sais, mettons, pis que ça va passer. Quand ça sort ces airs publics, c'est comme ça. Il faut que ça demeure écrit. Ça reste des blagues quand même, mais c'est ça, c'est très dommage que le tu sais, je veux dire, il aurait dû être juste coupable d'avoir pas été drôle. Est-ce que c'est ta saveur, quoi, raciale, antisémite? Ouais, ben c'est ça, des jokes qu'on se compte avec la boisson dans le corps quand on veut essayer de dégoûter nos chums. C'est des jokes à saveur sexuelle, très raw, très wrong, très traumaville, je veux dire. C'est ça. Puis il a fait des films tellement wrong au début de carrière. C'est ça, mais c'est parce pourquoi Disney fait le vierge offensif maintenant? Pour des tweets qu'il a fait v'là 10 ans dans le temps qu'il tournait pour Trauma. Right? Tu sais, c'est quand même un mané. Mais je trouve ça dommage parce que, tu sais, James Gunn, c'est vraiment lui qui a apporté la vision, tu sais, singulière de mm-hmm. Guardians. Oui, Disney, j'aurais juste fait. Oui, il a dit ça dans le temps, mais plus ça. Disney ne peuvent plus être autre chose que sacro-saint et. Pour être très honnête, je suis très déçu de ce qui s'est passé par rapport à l'an. Je veux dire, le châtiment n'est vraiment pas égal à l'ampleur du crime, ok? Vraiment pas. Je veux dire, quel crime il... Si crime il y a eu... L'entièreté du fanbase de Marvel va être privée du closer de trilogie d'un seul et même réalisateur qui avait déjà fini d'écrire le script. Juste parce que il y a quelque chose qu'il avait déjà fait avant que le premier sorte, puis ça l'a pas empêché de le faire. Le pire, qu'il avait sorti avant le deuxième aussi. C'est pas vrai que le HR de Disney avait pas déjà regardé toutes les tweets de ce gars-là. C'est sûr. Puis tu sais, au pire, il gardait comme carte cachée de comme ben là, mané, quelqu'un, ça va nous péter en face, puis quand on sera plus content. Peut-être aussi que tu sais, Disney s'est servi de ça pour le renvoyer. Tu sais, on spécule, c'est très possible. Mon frère aimerait ça faire le Guardian des Galaxies 3. On va-tu chercher sur Internet? Ouais, on va apprendre que le prochain réalisateur, ça va être genre le beau-frère du CEO de Disney. Ça se peut, ça se peut. Et c'est la preuve aujourd'hui que tu peux plus rien, absolument rien faire, puis qu'il y a une mémoire là, tu sais, sur Internet qui va rester là tout le temps. En souhaitant que cette vibe-là soit momentanée. Okay. On espère, mais je pense pas. Là, que ça dure. Hein. Mettons qu'on est peut-être pogné encore avec ça, ce genre de mood-là, pendant 5-6 ans, peut-être 10 ans. Puis après ça, le monde va se calmer puis vont comme relativiser l'étendue des supposés châtiments. J'aimerais ça, moi aussi, mais c'est parce que je pense que c'est avec la technologie qui va de plus en plus aller loin, je pense que nous aussi, on va aller de plus en plus loin dans nos réactions. Du coup. Ben, c'est la société qui s'habitue à avoir toute d'en face toute l'inrectitude politique. Puis là, ça fait le mouvement de balancier. Mais c'est ça, comme Eric dit, ça va revenir à un moment donné. En souhaitant, mais juste que de ce temps-ci, ça en est triste. Ouais, c'est assez... C'est parce qu'il y a comme un genre de bac... dans lequel on place tous les artistes fautifs. Et là-dedans, il y a autant ceux qui ont dit des trucs wrong v'là 10 ans que ceux qui ont violé du monde. Et on les place dans le même bac. C'est ça. Genre, toi aussi, tu vas faire sacré dehors. Toi aussi, on va boycotter ce que t'as fait avant. Il y a des degrés de crimes, donc il y a des degrés de châtiment, donc il y a des degrés de bac aussi. Il y a des crimes, puis il y a des choses qui sont pas des crimes, justement. Mais non, c'est ça, c'est pas un crime. Opinion, c'est pas... Non, ça, il y a juste... Ou dire une mauvaise blague. Mais... Tu sais, si...
s'il est coupable d'avoir été pas drôle, ça mérite juste de pas rire. Exactement. C'est la pire affaire qui devait arriver. De pas écouter ce qu'il fait, point au pire. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un choix. Je veux dire, non, t'es lame. That's it. C'est tout ce qu'il méritait. Exactement. Point à la ligne. Et donc, non, c'est le genre de sujet qui me décourage, pour être honnête, là. Clairement. Là, tu sais, avant de revenir au SDCC, on a vu qu'on est en conspiration. Je sais pas si j'en avais parlé un peu. C'est un peu intense pour, tu sais, discuter de toutes les applications de ça, mais est-ce qu'on avait parlé de Alison Mack et de son histoire? Non, mais c'est hard. F-top, là. Oui. 10 sur 10, comme. Oh, Chloé, dans Smallville, fait partie d'un réseau de traite de personnes, des fins sexuelles. À Hollywood, OK, ça s'appelle Nixium, et les personnes ont un branding là, comme des vaches qu'on brûle. Alison Mack a elle-même le branding sur son corps, c'est un espèce de triangle avec un espèce de truc. C'est très, très illuminati comme truc. Ils prennent des acteurs qui mettent dans des camps de travail et c'est le camp de travail et d'abus sexuels. Donc, les acteurs travaillent de manière physique, ils font des jobs pour la... aussi des jobs d'acteurs des fois parce que, tu sais... Faut ces ben acteurs-là payer le se font pitcher à des producteurs. Oh my God! C'est toute une espèce de pad de dark société qui se révèle avec ça. Là. C'est... Dark! OK. Puis ça fait combien de temps que ça ben, dure? Des années. Là, présentement, il y a eu des charges qui sont tombées contre elle là, parce qu'il y a une fille qui est morte par rapport à ça. Là, il y a des charges en mai qui sont tombées contre elle, mais là, tu sais, c'est en cours de procès là, présentement. Okay, là, fait okay. que, donc, on va en savoir un peu plus, j'imagine, pendant le procès. Donc, si vous voulez vraiment avoir une... Là, c'est pas une théorie de conspiration. Il y a des accusations criminelles. Quand une supposée secte qui existerait, là, on a des preuves de son existence. Donc ça, c'est dark. Vraiment bizarre. Et OK, ben, oui, ben là, regarde, dans cette belle journée, on va comme prendre un break de sombritude, parce que je décide que ça existe comme terme, et on va prendre un petit peu de musique. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1, et on avait glissé le mot de Shovel Knight pendant la discussion là, avec le costume de Adam Savage, ainsi que notre thème d'émission, by the way, pour ceux qui l'ont pas reconnu. Sur Overclock Remix, cette semaine, est sortie une pièce de Shovel Knight par le remixeur Jorito, donc Jorito, au lieu de Dorito. Ah, ok. Jorito. Jorito. Qui s'appelle Shovel Power. Donc, c'est une reprise de deux thèmes du jeu. Donc, je pense que c'est la fin. Et le thème des plaines au début dans le premier écran. Donc, on écoute ça. Avec ce titre-là, j'aurais mixé Shovel Knight puis Ninja Turtle. Oh, ça aurait été cool. Ouais, c'est donc, Shovel Power de Jorito. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. We'll be right back.
C'était Shovel Power de Yorito et c'est disponible sur le site overclockremix.org. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Alors, chronique en vrac, on poursuit avec le San Diego Comic-Con. Oui, attends un petit peu, j'avais quand même une vraie nouvelle en vrac, vraiment niaiseuse, mais vas-y, que je trouve ça magnifique. T'as mentionné les Doritos tantôt, OK, puis depuis que j'ai vu ce tweet-là, je peux pas m'enlever ça de la tête. Le mot Doritos contient le suffixe Ito, qui veut dire quelque chose de plus petit. Donc, techniquement, il devrait avoir la chip mystique, le Doro. Et là... le Dorito, c'est le petit. C'est ouais, le Doro, c'est le Doro, c'est comme la chip mystique. Et Doritos UK, ils ont embarqué là-dessus, puis ils font des jokes dans leur dans leur Twitter par rapport au Doro. La chip donc, mère. Find the Doro. Yes. Je trouve ça trop hot. OK. Oh, mais c'est le petit Dorito! C'est... Doro l'explorateur. Doro l'explorateur. Doro. Je vais trouver les punch à mes jokes. Pardon. Les bouchons dans, j'allais dire les bouchons dans tes artères, mais fair enough. Ça l'a tenu. Donc. Pour, ouais. Pour le Comic-Con. Oui. Yes, continue simplement, vas-y. Et puis après coup, c'est parce qu'après coup, j'ai une nouvelle, puis je vais être sûr de pas l'oublier, vas-y. Comic-Con, il se passe plein de choses, plein de trailers qui débarquent, plein de costumes qui sont montrés au public. Oui. D'ailleurs, on a vu le costume de Aquaman, on a vu le costume de Shazam aussi récemment qui ont été révoilés. Mm-hmm. Même que sur la page des Geeks, on a mis une photo là, de la monture d'Aquaman. Qui a... okay. Là, c'est mon opinion personnelle, okay. Mais qui dit comme... Non, c'est un hippocampe pareil. C'est comme on essaie de rendre ça, c'est comme un dragon des mers. Ah non, c'est un hippocampe sur l'acide un peu. C'est un hippocampe. Ça a comme pas rapport. Là. C'est vraiment n'importe quoi. Là. Puis pourquoi il y a besoin d'une monture anyway? Il y en a une dans la. Non, je comprends, mais je veux dire, why? T'sais, t'es pas obligé de le faire pareil. Tu sais, mettons Batman et Batmobile, c'est clean. C'est obligatoire. Il peut pas y aller à pied. Là. Mais lui, il a juste à nager. T'sais. Son pouvoir, c'est d'être l'ami des animaux, des mers. Je comprends, mais il est pas obligé d'être dessus. Il peut être à côté. En tout cas, je sais pas. Ça de même. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais son costume flash. Son costume, l'acteur est bien. Le costume de Shazam aussi est vraiment cool. Oui, mais il est très, 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 très fidèle au matériel source. Vraiment, puis j'ai vraiment. Bon espoir que ce film-là va être un sleeper, quelque chose que le monde s'attendront pas, puis qui va être bien meilleur. J'espère pour DC, parce que ça fait longtemps là, qu'ils ont fait de quoi, que c'est comme. Qui est potable. Ils ont besoin de quelque chose. Parce que parlant de ça, il y a le trailer de Teen Titans qui est sorti. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars. C'est, non. Fuck Batman. Avec Robin qui stab du monde. Mais t'as vu ça un film en live action ou c'est un dessin animé? C'est une série qui va passer sur le DCU, donc il va falloir payer pour cette série-là. Okay. Et en plus, ça va s'inscrire dans l'espèce de télésérie de DCU, donc ça va s'inscrire dans le canon des films. Mais non, dans le DC TV Universe. DC TV? Oui, DC TVU. Puis eux autres, ils séparent ça un peu des films? Oui, c'est complètement séparé. Je savais pas. Fait que Arrow, puis Flash, puis tout ça. Ça existe. Ils sont dans leur monde. Legend of Tomorrow sont dans le monde. Ça va exister dans l'univers quand même de DC, tu sais, des films de DC, mais ça va être à la télévision. Ok. Right. Okay. Hein? Mais écoute, le trailer là, c'est tellement des adolescents edgy là, ça n'a aucun sens. C'est en live action, c'est des vrais acteurs. Il y a même, c'est dommage parce qu'il y a l'acteur qui fait Robin, Brendan Thwaites, si je me souviens son prénom. Moi, c'était un des acteurs que j'étais comme, ouh, lui va être, tu sais, que j'avais prévu que ce petit kid là allait riser, qu'il allait peut-être à Disney et tout ça, et non, il a choisi DC, Robin qui tue du monde en disant fuck Batman. Je suis pas certain. Je suis tellement content. Mon commentaire sur YouTube, j'étais comme, I don't know, man, could be edgier. C'est classique, parce que non, c'est vraiment, là, tu sais, c'est... Ouf. Ça a vraiment l'air louche et pénible. Ben, encore une fois, c'est DC qui... coupable de quelque chose qu'ils sont en train de payer pour, c'est-à-dire être trop dark, edgy, grim, puis là, pour prendre des termes français, mettons, trop sombre, trop tourmenté, trop réaliste. Mm-hmm. Puis ils décident de faire un double whammy là-dessus, puis dire, ouais, on est capable de l'être plus. Non, c'est pas ça qu'on vous c'est demande. Ça, c'est moins. On va avoir du fun quand on va voir les films. Exactement, c'est tout. Point on va pas réfléchir à nos problèmes avec un costume en latex. Mm. Non, tu sais, je veux... À un moment donné, là,
C'est ça, pas de... ça qu'on attend, c'est pas un thriller psychologique là, dans le fond, de Darkness. Au Comic-Con aussi, on a vu la bande-annonce de Glass aussi. Oui, c'est vrai. J'ai écouté ça justement ce matin, là, je suis tombé dessus complètement par hasard. La troisième de la trilogie, exactement. Maintenant rendue trilogie. Maintenant de... trilogie, c'est ça. Midnight Shenanigans. Oui, c'est ça. Ouais, êtes-vous capable de prononcer son nom? Spring bang, spring bang bang. Fait que, non, mais j'ai vraiment... vraiment hâte de regarder ça, là. Vraiment là, ouais. Solidement là. Moi aussi pour de vrai c'est comme ok, Knight revient dans, t'sais, dans la bonne track potentiellement, mais il est déjà revenu dans la bonne track. Split était excellent. Oui, Split était... non, ouais, j'avoue que non, mais avec Split il est revenu, mais tu sais, c'est parce que là ce que j'ai peur, c'est que le trailer nous montre que tout le twist du film ça va être encore cela est-il vrai ou pas, dans exactement. Le sens, mais on le sait très bien pour les deux films d'avant que c'est vrai. On a même vu dans le trailer des exemples de d'action qui sont, fait que c'est comme ça se peut que ce qu'on a vu dans le trailer c'est juste le premier acte. Possiblement, mais sauf que tu sais, il y a beaucoup d'action puis il est assez long le trailer, ouais. Là, je veux dire, ouais, le premier acte serait long. Il me semble que il y a pas quelque chose dans Split à un moment donné qui confirmait comme ah oui, tu sais, dans le fond c'est, on est vraiment dans un truc surnaturel. Je m'en souviens plus là, mais ben j'ai comme plus ben, de oh, souvenirs. Oui, c'est clair. Parce que la façon qu'il devient The Beast. Ouais, à un moment donné, écoute, ce qu'il accomplit en tant que The Beast n'est pas humain. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est juste confirmé par le fait que. C'est comme. Puis c'est reconfirmé plus tard en disant ah, ben là, oui, on est vraiment dans une date de super-héros. Fait que là, je sais pas qu'est-ce que ça va. Mais j'ai hâte de le voir. Ça, le trailer est super bien. Le ton. Mais qu'avant, il a rentré dans ce rôle-là. Ah, écoute, comme dans des bas confortables. Là, c'est comme s'il avait jamais quitté. Écoute. Mm-hmm. Il est solide dans Split, puis il a l'air aussi solide dans Bande-annonce. Puis avec ces acteurs-là, avec ce scénario-là, avec tout le background des deux premiers films, je veux dire, tu peux pas te tromper, là. Mais il s'est déjà trompé. Ben, il s'est déjà trompé. Solidement. Mais au moins, ça va être. Moi, ce que je m'attends, au moins, si c'est pas du. Mettons que c'est prévisible, je pense que ça va être quand même super bien acté. Le montage va être excellent. L'ambiance visuelle va être super bonne. Puis tu sais. On n'a jamais reproché à Mike Shannon toute la technicalité de faire un film. Non, clairement. Juste un gars qui sait manier de caméra extraordinaire. Et avec The Visit et Split. Il est sur la pente montante. Clairement. On s'entend que son lot est terminé. Là. Il a vu ce que ça a fait avec The Village, avec Lady in the Water, avec Happening, avec Last Airbender, avec After Earth. Ça fait mal. Tu me donnes plus confiance, parce que là, je repense. Puis, sais-tu quoi, là? Là, mon... Il est mieux de pas être encore dans son maudit film, puis de pas être important dans son film, puis de pas arriver avec... Oui, non, c'est clair. C'est moi qui tiens, je suis un personnage par rapport, mais j'ai la solution. Voilà. Ça, c'est enrageant, là, solidement. Ne joue pas dans ton propre film. Ça donne à rien. Quoique, écoute, certains des réalisateurs qui décident d'avoir un caméo dans un film, souvent, c'est quand même des scènes de fun. Je veux dire que Tarantino dans Pulp Fiction, c'est tellement drôle. J'avoue qu'il est vraiment drôle. Il fait le gars chez qui il dompe le cadavre du noir. Oui, bien sûr. Oui, je me souviens. Il veut qu'il sorte parce que sa blonde revient de travailler. Oui. Ah, c'est. Puis toute la pose de Mr. Wolf, le réglé de problème. Écoute, c'est une scène classique du cinéma, puis Tarantino s'est mis dedans. C'est bien vrai. Mais c'est vrai que son caméo dans Django est un petit peu malaise. Et tu vois, je m'en souviens pas. Je l'ai complètement... C'est lequel dans Django? C'est quand Django se fait capturer début du troisième acte. Oui. Et qu'il se fait amener par des gars qui vont le vendre. Oui. Puis il fait un des gars qui les amène. Ouais, c'est ça. Je me souviens. Il est comme un peu comme Colomb malaisant. Il est trop présent. Non, puis il explose. C'est weird. Ouais, mais bref, c'est weird. Parce que là, il est comme rendu gras. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Non, c'est comme bizarre. Par rapport, là, c'est sûr. Là. C'est Steven Seagalisé. Ouais, c'est ça, exactement. Il est devenu plus gros que gras. Attention, tu vas te faire casser le cou, mon homme. Il va sortir derrière toi, en puis, ta chaise. Pour terminer, dans les choses du Comic-Con, qu'on a retenu, toi, tu as retenu la divulgation de la nouvelle bande-annonce pour Clone Wars. Je pense pas, par contre, que c'était dans le cadre du Comic-Con, ça. C'est pas Comic-Con, mais peut-être, là, mais possiblement, en tout cas, peu importe. Cette semaine, Clone Wars qui fait son retour annoncé par une bande-annonce, donc Disney qui nous donne ça. C'est bonne bande-annonce, en plus. Oui, débile. Donc, une très longue bande-annonce, ben, une bande-annonce de peut-être quoi, deux minutes, exactement, où... Allez écouter ça, je vous le dis, si vous avez aimé les saisons des Clone Wars, c'est le retour. Et là, à la toute fin, je vous divulgage quelque chose de la bande-annonce. Très important de le dire. Mikey, ça prend notre alerte. Vas-y, donc alerte. Divulgachement. J'en ai avec nous ça. Je te confirme que c'est pour le SDCC. Oui. Bon, mais on va faire un petit spoiler de la bande-annonce de... Clone Wars. De Clone Wars, c'est ça, exactement. Et après, on va en pause, donc. Yes, donc Ahsoka Tano, qui sera de retour, mais maintenant plus adolescente. Là, on la voit vraiment
adulte, ou en tout cas début d'adulte. Je, ouais, comme, je m'en souviens pas de ce personnage-là. Ben voyons donc, c'est, l'apprenti Jedi, si tu veux. Je l'ai écouté, ça fait tellement longtemps. Ah oui, c'est longtemps. Ça. Donc c'est une fille, dans le fond, c'est la seule Jedi-fille réelle qu'on voit, là, je ouais. crois, dans le tout. Ah, la Twi'lek. Oui, exactement. Donc, vous voulez pas dire sa race, gang de... Donc, à ce cas, on essaie d'être race neutral au Geek Contre-Attaque, puis on veut pas identifier les gens par leur race. Mais quand j'ai vu le retour d'Ahsoka, j'ai pratiquement pleuré. Donc, j'étais tellement content. Donc, la dynamique, tout ça, que j'ai tout à peu près de Clone Wars chez nous, incluant ma boîte à lunch de tous les jours, qui est de Clone Wars. Et les gens au bureau rient beaucoup de moi à cause de ça. Tu penses qu'ils ont besoin de la boîte à lunch pour ça? Non, effectivement, non. Mais bon, donc, Clone Wars, enfin. Par contre, pas de date d'annoncer pour la sortie réelle, puis mais aussi, ça devrait s'en venir. Un trailer du nouveau Doctor Who qui est sorti, donc Doctor Who qui mettait une femme, j'ai bien d'avoir ça. Mais nous, on dit contre-attaque, on est gender neutral. Donc, voilà, on sait que c'est juste la Doctor Who, la nouvelle Doctor Who. Doctor Who, voilà. Exactement. Doctor Who. That's point à ligne. That's it, point à ligne. Intéressant. Donc, il y a aussi une annonce du trailer de Better Call Saul qui allait faire un tie-in avec Breaking Bad. Donc, c'est comme officiel qu'on allait voir. Ben, est-ce que vous avez vu, il y a une petite vidéo qui est sortie des deux acteurs par rapport au trailer, par rapport... Non, c'est, pas, Je vais le mettre sur la page des Geeks. C'est très, très drôle. Un petit court vidéo de 5 minutes avec Aaron Paul et puis notre cher ami Bryan Cranston. Ah, de toute beauté. Et c'était pour annoncer la venue justement du trailer de Better Call Saul qui va justement venir toucher à Breaking Bad. Donc ça voudrait dire c'est la dernière saison là. Probablement ça, parce qu'après coup ça s'enchaîne avec l'histoire de Breaking Effectivement, Bad. Effectivement, on vient comme boucler la boucle. Bon, on va aller en pause. Oui. C'est ça qu'on va faire parce que dans le fond, je veux en profiter pendant que je suis encore à la tête des Geeks Contre-Attaque parce que j'ai peur bien évidemment qu'à un moment donné, on divulgue mes vieux textes MySpace dans lesquels j'avouais candidement être sexuellement attiré par les escargots. Donc, j'espère que ça n'arrivera pas. Non, mais c'est Mortified? Non, c'était comme ça dans le temps, là, j'ai changé. Mais tout ça pour dire que... MySpace. Sur MySpace. Wow. Qui pourrait retrouver ça? Mais non. Pour être très honnête, non, c'est ça. Fait que quand ça va être divulgué au masse sur Facebook, il va probablement falloir qu'on me sac dehors. Effectivement. Ah oui, c'est OK, correct, je peut pas s'attacher à ça. Bon, non, c'est ça. Ah, tu comprenais pas la joke que je faisais pour la référence? Là, j'étais là, c'est-tu vrai? De quoi tu parles? Bon, on va faire une pause, laisser le temps à Mikey de réaliser. Et on revient pour la suite des Geeks Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks Contre-Attaque de ce 21 juillet 2018. Il se trompe pour le vrai, là. Ouais, non, je le vois aller, là, puis il essaye fort. 21 mai. Vous voulez niaiser. Vous avez amusé à saisir mes jokes, on dirait que ça vous passe pas de certains. Aujourd'hui, ironiquement, c'est dur à saisir. Ironiquement, je parle de beaucoup plus bas. C'est vrai. Les jokes vous passent par de sa tête, je comprends pas ce qui se passe. Tu devrais nous fesser les tibias. Exactement, j'ai mal aux tibias. Donc, allez, on... Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet. Alors, merci Monsieur Goulet d'être présent. Yes, je suis très content d'être ici. Monsieur Goulet. J'ai une faveur à vous demander. Voulez-vous laquelle? Après l'émission. Oui. Mais voulez-vous faire votre call qui débute habituellement vos segments de Arcade Québec? Non. Vous voulez vraiment que je fasse ça non, ici? Non. Ah oui, parce que ça va briser le ça se pourrait que tu recules. Oui. Ça va peut-être péter ton EQ. Là, juste une fois. Okay. Juste. Donc, ok. Il faut mettre les gens en contexte. Oui, ça, merci. C'est pour ça. Donc on a. Il faudra que tu mettes un écho. Au niveau du podcast Arcade Québec, on a une section qui s'appelle Jouer cette semaine. Oui. Et dans le but d'être le plus niaiseux possible, j'ai décidé, voilà déjà une centaine de semaines, je vous dirais même un peu plus, de faire deux ans, c'est ça, exactement. Bon, j'ai décidé de... Non, mais c'est parce qu'on numérote les podcasts, peu importe. J'ai décidé d'y aller avec un jingle à la bouche pour cause de pas de talent. Oui. Et ça sonne comme suit. Mais qu'est-ce qu'on a joué cette semaine? Yeah! Yeah! Yeah!
Et d'habitude, il y a de l'écho par-dessus. Donc, c'est ça. Il y a différentes variantes et tout ça. Donc, vous pourrez m'insulter gratuitement sur le site d'Arcade Québec. Je pensais que vous aviez pris avec l'écho. Bon, ben, non, pas d'écho. Non, non, t'en as pas. Mais, OK, c'est arrivé. Écoutez, d'ailleurs, j'ai comme plan de. Je vais le dire là, OK? J'ai comme plan de faire un super montage de toutes les semaines où je le dis. Nice. Mais tu sais, sans aucun contexte, là, juste de le domper. Genre, tu m'entends dire ça, tu sais, mais tu sais, genre, mais tout le temps. Tout le temps. Exactement, ça serait débile mental et complètement inutile à l'image du show. Hey, let's go. Un vidéo YouTube qui va jouer souvent à Guantanamo. Exactement. Clairement, c'est très, très possible. Donc, je vous suggère d'y aller en jeu vidéo, les gars. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Non, laissez-moi. Donc, premièrement, je voulais commencer avec, parce qu'on aime tous économiser. Bien et sûr. Si vous avez un Xbox, vous aimez aussi économiser. Donc, présentement, et jusqu'au 30 juillet, il y aura, bien sûr, il y a une super vente sur Xbox Live présentement. Donc, vous pouvez trouver là une multitude de jeux vraiment pas chers, dont un des coups de cœur, bien sûr, de l'année, Fallout 4, qui est à 25$ de rabais, donc qui revient à 23$ canadiens. On a aussi Cuphead, si vous avez jamais joué à ça, je vous juge profondément. Si vous avez envie de briser votre manette. Exactement. J'ai hâte de jouer, j'ai vraiment hâte de jouer. Yes, je te le dis, tu vas aimer ça. Donc, il passe de 26 à 20$ simplement. Et là, on a toute la série des Dark Souls qui sont vraiment pratiquement donnés. Un jeu que j'ai adoré, ben, une série de jeux que j'ai adoré, c'est les Darksiders. Donc, il y a une édition spéciale des deux premiers jeux de Darksiders qui sont là pour, donc on passe de 40$ à 16$, donc allez vous promener, là on a au-dessus de 500 jeux vraiment à super rabais, donc c'est le temps d'économiser, peut-être pour, là je comprends qu'il fait beau aujourd'hui, puis ça ne tente pas de jouer, mais pensez quand il va faire mauvais, et là cette vente-là va être passée, là vous allez dire, j'aurais donc dû écouter Stéphane. Non, ça se peut que vous écoutiez l'émission en rediffusion, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur YouTube ou sur le podcast sur CKRL, iTunes, exactement. Donc, il ne faut pas nécessairement beau aujourd'hui, fait que faites ce que vous voulez quand vous voulez. Hein. Ouais, on n'est pas là pour vous dire quoi faire. Exactement. Donc. Justement, j'en ai un bon truc pour économiser, moi aussi. Vas-y. Va jouer dehors! Ouais, c'est ça, il y a ça aussi. Mauvaise joke. Mauvaise joke. Donc, allez économiser là-bas, bien sûr. Donc, l'été, tu sais, vous savez que toutes les compagnies de jeux vidéo en général font des ventes du genre, donc je vais essayer de bien sûr de vous tenir au courant là, quand je verrai ça. Légère parenthèse sur des ventes. Amazon Prime était décevant cette année, c'est moi, ou le Prime Day d'Amazon? Oui, non, c'était vraiment plus décevant que d'habitude. Effectivement, l'entièreté de ma wishlist n'était pas inclus. Puis ce qu'il y avait dessus, ça me tentait pas d'en acheter. L'année passée, j'ai dû dépenser pour le vrai à peu près 1500$ cette journée-là. Et cette année, j'ai dépensé 22$. Je me suis abonné. Ouais. Je pense une semaine avant le Prime Day l'année dernière. J'ai vu Amazon par contre Prime, une console de jeu qui était autour de 300$, je crois que c'était la Xbox One S, avec plusieurs jeux, manettes et tout ça autour de 300. Ça, c'était un bon deal, honnêtement. Mais là, j'en ai déjà deux. Donc, je me suis dit, je me suis retenu. Moi, ma quête d'acheter un NES classique et un Super NES classique au prix de détail. Oui. Est toujours active. Ben, tu viendras gaspiller. Passe chez moi, je vais te les passer si tu veux. Puis quand tu auras fait ton trip, tu me la redonneras. Là, j'en ai. Je veux juste les payer le prix qu'ils les vendent. Oui, non. Je veux pas les acheter au scalper qui revendent 300$. Non, c'est pas pour t'écœurer, mais je les ai eu les deux en cadeau. Donc c'est Guillaume Duplain du podcast qui me les a donnés, les deux. Donc il a fait l'effort de m'y trouver et il est venu me porter chez moi. Et je les ai. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais tu le fais très bien. je parle avec ma bouche. OK. Donc. Je voulais vous parler aussi de Nathan Fillion qui est sorti cette semaine. Je l'ai posté cette semaine, un fan movie. Il avait teasé ça sur Twitter pendant quelques jours avant, puis on se disait, voyons, c'est un lien avec Uncharted. C'est un genre de fan film de Uncharted. Non officiel, bien sûr. Et vraiment c'est bien fait. Malade. Vraiment bien fait. Donc, une quinzaine de minutes, un peu moins de 15 minutes de film. Je vous invite à aller voir ça. C'est déjà sur la page des Geeks, donc allez scroller. Je veux tellement voir Nathan Drake dans une version legit de Uncharted. Ah, oui, parce que le personnage de Nathan Drake dans la série, était inspiré de Nathan Fillion. Donc, de le revoir reprendre le rôle, ça fait juste... C'est un perfect fit, comme ils et disent. Allez voir le fan film, là, vous allez capoter si vous avez joué à la série. Là. Oui. Toutes les plans de caméra sont là, les sons, tu sais, qui sont dans la façon de s'exprimer aussi des personnages. L'humour. Honnêtement, là, ça file...
ce fan-film-là est meilleur que le deux tiers des films de jeux vidéo qui ont été faits jusqu'à maintenant. Ah oui, clairement. C'est pour ça. Mais moi, je pensais encore... Peut-être même le trois quarts. Ah, ouais, je pensais, tu sais, au début, quand ça a été présenté, ben, je l'ai découvert sur votre page. Là. Oui. Je me suis dit, wow, tu sais, je suis pas sûr, moi, écouter ça. Tout ça. Puis, à un moment donné, ben, tu sais, veux pas, pour le projet, j'ai pas le choix, à un moment donné, de tout me taper. Et là, j'ai pas vu, je l'ai vraiment pas vu aller, là. Tu sais, ça a vraiment pris, c'était un 15 minutes qui a passé en comme une minute, là. Ouais. C'est hallucinant. Donc, si vous êtes des fans de Naughty Dog, des fans de cette franchise-là, Uncharted, allez l'écouter tout de suite. Genre, comment respecter le ton de matériel source 101? OK? Clairement. C'est ça. Vous avez joué Uncharted, ça feel comme jouer Uncharted, mais le film. Puis l'humour est là, comme tu disais tantôt, puis les gunfights sont exactement pareils aussi. Ouais, donc, Nathan Fillion n'est pas trop vieux pour le faire, arrêtez. Il y a plein de monde qui disait qu'il était trop vieux parce qu'il avait vu dans Castle prendre du poids, le kit, mais là, il était en shape. Non, non, il peut le faire. Puis il reste encore un 4-5 ans pour être capable de faire le projet avant qu'il... Il est pas rendu Tom Cruise vieux. Là. Moi, ce que je me suis dit, c'est que ce gars-là, il s'est vraiment trouvé une job. Là, parce que, honnêtement, pour le vrai, on a un film d'Uncharted qui s'en vient, là, ouais. Qui est déjà annoncé d'ailleurs, mais qui n'est pas beaucoup avancé, comme on en a un aussi. Dans pré-production. Exactement, qui s'en vient. Mais Nathan Fillion dans le rôle. Qu'il s'est acheté il s'est carrément trouvé une job. Là. J'espère. Attends. Il y a un film de Last of Us qui s'en vient. Oui, qui a été annoncé. Qui ça fait d'ailleurs, je te dirais, plusieurs mois là, que ça a été annoncé. Ah, je pas mais c'est en pré-prod. Ça peut être cancellé encore. Là. Exactement. Oui, je veux dire, là, faut pas s'exciter le poil des jambes trop non plus. Mais honnêtement, sans joke, si ça sort là, pour le vrai, là, ouais. Je couche devant le cinéma. Là. Je veux dire, je me touche devant le cinéma, je couche devant. Je fais, tu sais, Uncharted. Ouais, je mais me dirais que Last of Us, c'est possiblement le meilleur matériel d'entertainment qui a jamais été mis en ligne, en vie. Là, oui, mais si le passé garant de l'avenir, je dirais de garder tes anticipations modestes. Ben parce oui, que c'est un film de jeux vidéo. Si le passé garant de l'avenir. Est-ce que j'ai dit en onde que j'allais me toucher? Est-ce que... Ouais. Ok, c'est bon. J'étais un peu trop. Je pensais qu'on parlait juste en si tu couches puis tu te touches devant le cinéma, il serait de bon augure que tu te douches aussi. Yes. Merci. Donc, yes. On joue avec les sons. Oui, fait qu'on écoute ça. Hey, on interrompt un peu ta chronique jeux vidéo? Sans problème. Yes, on va mettre de la musique des jeux vidéo. Ah! Okay. La chanson! Alors, chanson de la semaine numéro 2, et j'ai décidé par cette belle journée ensoleillée, ou peu importe la température de la journée à laquelle vous écoutez le show, en cette journée, d'y aller avec une tonne relax. Donc, j'ai trouvé dans mes pièces de jeux vidéo une pièce qui s'appelle Relax and Reflect. Oh yeah. C'est de la trame sonore de Final Fantasy XV, donc par Yoko Shimomura, cette chanson-là en particulier. Et c'est la tonne quand on décide de faire un campement, puis tu vois les gars jaser, mettre les tables de pique-nique, ou quand tu fais à manger, puis toute la kit. Bref, la partie qui devrait pas être la plus fun du jeu, mais qui est hallucinamment divertissante dans le jeu. De faire tes campements, faire les petites missions qui relient avec ça, faire la bouffe avec les recettes, puis il y a de quoi de weird à propos de Final 15 qui est dur à expliquer pourquoi que ce jeu-là est fascinant. Mais bref. C'est zen, par bout. C'est vraiment zen. Puis, tu vois le temps de production que t'as mis dans le jeu quand tu joues. C'est pas un jeu qui a été fait à va vite. C'est huge. Huge. Anyway. Relax and Reflect de Final Fantasy XV. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Ah, j'en vois les grosses images HD de différents mets qui donnaient faim terriblement. Ah oui, c'est... C'était solide. C'était bien fait. À cause de l'espèce de blond à lunettes là, qui nous fait tout le temps manger. Là. Non, c'est pas... Ouais, mais lui, c'est lui qui prend les photos. Non, le blond à lunettes, c'est vrai, c'est lui qui fait la bouffe. Ben oui. C'est le petit blond qui fait les... Allez, quoi. Hey, c'est... Non, c'est un bon jeu. Ouais, c'était le fun. Un excellent jeu. Donc, on continue dans les jeux vidéo. Qu'est-ce que tu nous parles de? Deux, trois petites nouvelles pour terminer. La première, on a Pokémon Go qui a, dans le fond, dévoilé... Qui est encore en vie. Oui, qui est encore en vie, qui vire ouais. encore un peu. Donc, on a le Pokémon Company qui nous dit qu'ils ont des recettes depuis la sortie du jeu de 1,8 milliard de dollars pour le jeu. Ridicule. Donc, c'est débile mental. Complètement fou. Pour un jeu qui... j'imagine... demandé, qui est quand même audacieux, là, qui a demandé même de faire... Ce jeu-là est quand même big. Là. C'est énorme. C'est ça prend des données de fou d'avoir ça. Là. Donc, les microtransactions, 1,8 milliard, et donc, ils vont défoncer le 2 milliard, c'est certain, très prochainement. Il y a encore beaucoup de gens qui y jouent. La semaine passée, ou il y a deux semaines, j'étais encore dans le coin, là, ici à Québec, là, à Charlebourg, là, et j'ai vu une méchante trollée de gens qui étaient tout autour d'un... ce que je crois être un Pokéstop pour faire un genre de challenge. Moi, je dis, les gars, la personne va devenir ultra milliardaire, là. Ça va être la personne qui va faire Tinder plus Pokémon Go. Ensemble. J'avoue que ce serait débile. C'est un jeu populaire avec une façon de dater au travers. Hein, tu pitches des, tu sais, faut que tu collectes, whatever, là, je sais pas quoi, mais tu pitches des affaires, tu collectes des choses. Tu collectes des filles avec des balles. Ben, personnellement, je joue encore parce que, bon, je conduis pas, puis pendant qu'à chaque fois que ma copine conduit, je ramasse des Pokémon puis je poigne des Pokéstop. J'ai Guillaume dans le podcast justement qui chez nous il y a le fameux, j'y avais donné à l'époque le fameux bouton de Pokémon, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, t'en as parlé. Tu en avais déjà parlé. C'est ça. Donc il peut appuyer là-dessus puis dans le fond ça te poigne des Pokémon, ça tire des balles de façon automatique, puis ça te poigne des Pokémon de façon automatique sans même que t'aies à manipuler ton téléphone. Et lui il l'a toujours sur lui, tu sais, à tout bout de champ ça vibre puis il taponne ça dans ses poches. Fait que il y a beaucoup de gens qui jouent encore, honnêtement. J'ai dit ça vibre puis il y a ça dans sa poche. Yes. Oui. OK, merci. C'est pour ça qu'il t'a donné un NES classique. Ben oui, exactement, le problème est parce que je le fais vibrer. Ouais. J'ai une autre petite nouvelle très rapide là, Saguenay-Lac-Saint-Jean, nouvelle compagnie qui vient d'arriver sur place. Donc ça s'appelle Snowcone Games ils ont sorti des prototypes, plusieurs prototypes de jeux. Je vous dirais là, principalement des roguelikes. Dernièrement, là, ils ont présenté ça lors d'une conférence qui s'appelait le SAG Geek la semaine passée. Donc, ça avait lieu la fin de semaine passée. Donc, ça a été présenté, une petite compagnie là, de 4 personnes, mais qui promet beaucoup et qui va sortir un jeu là, d'ici 2020. Donc, probablement là, un petit indie game là, assez intéressant. On va les suivre. Je tenais à en parler parce que bon, c'est quand même relativement proche. C'est chez nous. Puis c'est du monde qu'on va potentiellement... prendre d'assaut le monde des jeux. Puis les roguelikes, c'est des jeux que quand ça touche le jackpot, c'est des jeux qui sont intrinsèquement addictifs. Clairement. Écoute, on a parlé de Binding combien de fois, ça? Binding of Isaac. Là, je suis libéré de la prison de Binding. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. Ouais. Je m'ennuie pas. C'est comme une drogue dure. Je voulais pas arrêter quand j'étais dans mon pic. Moi, je dirais que celui que j'ai le plus joué, ça s'appelle Rogue Legacy. Rogue Legacy, c'est malade. J'ai joué pendant des centaines d'heures. J'ai joué très longtemps avec Legacy. La trame sonore est malade. Là, il y a Dead Cells qui s'en vient. Sur le PS4, puis ça, c'est... Il y a FTL que j'ai joué en masse. Ouais, FTL aussi, j'ai perdu. J'ai beaucoup pas de encore joué au jeu d'après de cette compagnie-là qui s'appelle Into the Breach, que je vais jouer en 2019. Parlant de FTL, il y a un FTL-like avec des éléments de Fondation d'Isaac Asimov. C'est Crying Sons. C'est un espèce de jeu à la FTL où ce que il y a c'est allez voir ça. Le soleil pleure. Isaac Asimov et les fils qui pleurent. OK, Sons. Ouais, Crying Sons. OK, je pensais Sons. C'était des soleils. Non, c'est les soleils, Sons. Ah, c'est ce que dit Mom avant puis le Sons. Ah, des soleils. S-U-N. Ouf, mélange. Si je pleure au soleil. En terminant, tu n'y verras que du feu. Yes, tu n'y verras que du feu.
Je vais vous parler du très connu No Man's Sky. Donc, No Man's Sky qui qu'on a abusément hypé au show avec le jeu de sorte. On a été tristement déçus du résultat au départ. Okay. On a repris espoir avec les différentes DLC qui ont sorti. Puis aujourd'hui, on peut quasiment dire que maintenant, avec l'annonce de No Man's Sky Next, yes, c'est ça. Le jeu est officiellement sorti. Le jeu est sorti. Ce jeu-là est un jeu qui est sorti en 2016, donc août 2016, plus précisément le 9 août 2016. Et oui, comme tu l'as dit, a créé beaucoup de déceptions au sens où c'était une coquille de ce qu'on pensait que ça allait être. Exactement, c'est ça. Donc les attentes là, avaient été mises beaucoup trop hautes là, par Hello Games ou principalement par Monsieur Murray, c'est ça. Oui. Shane Murray qui d'ailleurs s'est fait basher sur Internet de façon solide. Okay, de façon un petit peu exagérée par rapport à ce qu'il avait fait, parce qu'il avait pas créé. Ce qu'il avait créé n'était pas un échec total. La preuve de concept était là, puis c'était quand même divertissant dans les premières heures. Mais le monde le crucifiait comme s'il avait comme détruit l'industrie du jeu vidéo. Ce qui était vraiment pas le cas. Mais il avait quand même joué un petit peu sur la confiance des gens pour le vrai. Et l'industrie après ça, tu sais, vous voyez ce qui s'est passé avec EA plus tard et tout ça. Ça a été branlé un petit peu. Peut-être que dans sa tête, il était convaincu qu'il allait avoir le temps de mettre les features qu'il pensait qu'il allait avoir. Ils sont trop petits, Hello Games, ils peuvent pas arriver. Exactement. Puis, c'est ça. Donc, ça s'appelle No Man's Sky Next. Donc, ça va sortir le 24 juillet ici en Amérique, le 27 pour nos amis européens. Bien sûr, sur PS4, sur PC, où le jeu existait déjà. Et ça coïncide justement le 24 juillet avec la sortie de l'édition Xbox One. Donc, si vous êtes aujourd'hui, c'est pas possible justement de l'avoir. Donc, à partir du 24, c'est possible. Donc, si vous avez déjà une version PS4 ou PC, cet update-là va être complètement gratuit. Si vous achetez, bien sûr, la version Xbox One, ben là, vous allez l'avoir dedans. Okay. Si on a une version PS4, PS3, mettons, ben... Ça n'existe pas, je pense. C'est PS4, oui. Mais pas PS3. Là. Non, non, ça n'existait pas. PS4, dans le fond, le patch va être gratuit. Le patch aussi? Se fait automatiquement. Donc, tu vas le downloader simplement. Puis ça se prend, même chose pour PC. Okay. Donc, ce que ça comprend, c'est une expérience multiplayer plus complète. Donc, ce qu'on s'entendait déjà à avoir au début de la sortie du jeu. Une façon de jouer à la troisième personne. Donc, il sera possible. Autant vaisseau que humain, on va se voir. Puis on va voir notre vaisseau. Ce qui était un patch, c'était un mode qu'on pouvait faire sur PC. Oui. Qui était très intéressant de pouvoir voir ton vaisseau constamment. Là, on va pouvoir le faire de façon legit, exactement. C'est vrai qu'on pouvait pas avant. Exactement. Tant que j'ai joué, c'était un first person. C'était toujours en first person. Tu vas pouvoir te voir et voir ton véhicule. Un peu comme dans Skyrim, si vous voulez, ou même dans Fallout. Donc, après coup, possibilité de construire une base, mais cette fois-ci infinie. Donc, beaucoup plus grande et bien sûr de s'allier. Et pas avec... limité aux endroits où les pods de base apparaissent. Donc, si vous trouvez un beau cliff sur le bord d'une mer, vous dites « Oui, je fais ma base en haut de ça », ben tu peux. Tu peux maintenant, ça va être quand même bien. Et bien sûr, une multitude de pièces de construction et tout ça là, pour les bases. Et quelque chose de bien intéressant aussi, il y aura possibilité de se monter une flotte de vaisseaux et de devenir le genre de commandant de cette flotte-là. Okay. Donc, on s'entend que peut-être de dominer la galaxie Darth Vader style pourrait être intéressant dans le tout. En tout cas, moi, je me verrais faire ça si j'avais beaucoup trop de temps à mettre dessus. Effectivement. Mais c'est un jeu que je vais remettre dans le ghetto, comme on dit. C'est un jeu, même s'il était incomplet dès le début, sur lequel j'ai passé beaucoup trop de temps juste à explorer. Quand ils ont rajouté le mode survie au deuxième patch, ça changeait complètement la dynamique du jeu. C'est très, très tough. Ça devenait plus difficile? Hey. Solidement. Parce qu'il y avait vraiment, là, tu sais, pour trouver la mort, il fallait vraiment que tu la cherches activement. Dans le mode survie, là, quand tu te craches au début puis t'es loin de ton vaisseau, là, t'es pas sûr de te rendre. OK. Ah, puis c'était loin. Puis ça prend des heures avant de te sentir safe à explorer comme tu veux. La première fois que j'ai joué à ce jeu-là, je comprenais pas l'idée de la grandeur de la map, entre guillemets. Moi, je pensais que je pouvais passer d'un système à l'autre juste à clencher dans le coin, là, mais je me suis vite rendu compte. C'est loin. C'est trop loin. Là. Beaucoup, beaucoup trop loin. Donc, cette dimension-là dans le jeu est intéressante, même si c'est vide entre les éléments. Là. C'est intéressant. Par contre, de notre côté, je veux dire, on s'entend que... Et c'était vide, justement, comme jeu. Donc, en totalité, il n'y avait rien à faire. Rien. Tu sais, je veux dire, c'est le fun de dire, je vais me rendre sur cette planète-là, mais après coup, t'arrivais, puis, ben, c'est ça. C'est juste une autre couleur. Exactement. Ça fait, ben, j'ai jamais joué. J'ai toujours voulu jouer. J'ai trouvé ce concept très intéressant dès le départ, mais je me demande si, avec les nouvelles choses, les nouvelles applications qui vont, si ça va pas damer le pion aux nouveaux qui arrivent, qui veulent juste explorer, puis que, tu sais, du monde trop boosté qui arrive. Pis, non, tu vas pouvoir le faire pareil, parce que de toute façon, les environnements sont tellement larges et grands que ça m'étonnerait énormément que si tu veux pas trop tomber sur quelqu'un, jamais je croirais que tu réussirais pas à être
tout seul. Non, 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 c'est épouvantable. Je veux dire, c'est ça va tellement être aussi vaste. Rare de rencontrer quelqu'un qu'avant. Ah oui, ah oui, non, c'est check ça, c'est vaste, ça, check bien ça, check bien ça. Non, finalement, là, ils vont juste mettre pour que tout le monde soit ensemble tout le temps. Il y a autant de monde procédural dans No Man's Sky qu'il y en a dans notre galaxie. C'est ça. Donc théoriquement, si tu veux trouver un coin tranquille, tu vas trouver un coin tranquille. Là. C'est si le tu cherches un coin occupé, tu vas avoir de la misère. Ouais, c'est ça, exactement. C'est plus ça. Dans le fond, il faut que tu te donnes des rendez-vous. Là. Ouais. Mais et le but d'ailleurs de ce jeu-là, qui était d'aller au centre de la galaxie, qui avait aucun but. Là. Ouais, c'était la voie de l'Atlas. Donc la première quête du jeu original. Exactement. Ils ont sorti une story mode par la suite qui est en parallèle à ça, qu'on peut faire sans suivre la voie de l'Atlas. Mais là, je sais que avec ce nouveau patch-là, il change pas quelque chose à l'histoire pour l'instant, mais reste que l'histoire est relativement intéressante parce qu'elle donne beaucoup de lore à l'univers de donc et on va, en plus selon le trailer, on va pouvoir faire plus qu'une race. Oui. On n'est pas obligé de jouer un humain. Fait que les différentes races qu'il y a dans le jeu, tu vas pouvoir jouer ces races-là. Donc ça va être intéressant aussi. J'ai hâte de voir, c'est quelque chose que je vais réessayer, mais pas tout de suite, là, probablement au courant de l'année. Fait que peut-être que dans 2 ans encore, ça va être mieux. Ah oui, dans 2 ans, il va y avoir une histoire. Oui, ils vont sortir No Man's Sky 2 pour nous vendre un autre jeu, simplement. On sait jamais. On va commencer par vendre ce que vous étiez supposé. C'est ça. Vendre ce que vous étiez supposé vendre, puis après, on verra. Ouais. C'est cool. Les gars, moi, je vous quitte. Je vais vous quitter simplement. J'ai rendez-vous. Donc, merci beaucoup encore de m'avoir accueilli cette semaine. Et on se revoit dans quelques. Peut-être la semaine prochaine, peut-être. Je sais pas. Ben, c'est toi qui décides. Je vais vous en reparler. Je vais vous en reparler. Si tu veux, t'es là. Yes. Si tu veux pas, t'es là plus tard. Cool, cool. Bon, ben, ça marche. C'est pas plus compliqué que ça. C'est assez classe. Tu sais, je vais me faire un t-shirt avec cette phrase-là. Je pense que ça serait quand même bien. Ou un tatou, genre, quelque chose. Ouais, ça, donc, oui. Ça serait bon. T'entends qu'à aller avec ta face qui dit ça, genre, ça serait cool. Non? Merci, là. Hey, y a pas de quoi. Conan. Ben oui. On a joué à Helldivers hier, c'était yes, cool. Sir. Oui, Helldivers, un petit jeu multiplayer, un des rares jeux sur la console PS4 qui peut jouer en couch co-op 4 players. Oh. Un petit mec sur le front. Top-down, isométrique, shooter d'Alien qui ressemble vraiment à l'univers de Starship Troopers. Donc, oui, okay. On apporte la démocratie. Oh, il y a des calls de même tout le long. Welcome to democracy. Tu grêles tout le monde, c'est vraiment le fun. C'est très difficile, il y a pas de... Le friendly fire est toujours à off, donc quand tu joues avec des amis, tu peux pas... Tu peux pas tuer tes amis. Il faut faire attention. Tu peux tuer... Oui, non, c'est ça, le friendly fire est à off, donc si tu tues ton ami, tu l'as tiré. Fait que là, faut que tu le revives, puis tout ça. Il y a un système de stratagèmes, c'est tout de même ça s'appelle? Oui, il y a plusieurs stratagèmes. Des stratagèmes que t'appelles des trucs, tu sais, comme des tourettes, exemple. Mm-hmm. Et les tourettes, quand elles ne sont pas upgradées, elle tue tout le monde, tu sais. Y compris. Ami, ennemi, whatever. Que, quand tu pèches les tourettes, faut que tu te mettes en position à terre. Ouais, tu peux te coucher. Quand t'es à terre, tu peux pas tirer, fait que là, faut que tu te déplaces en rampant. Hein? C'est très tactique. C'est ça. Tu sais, les mouvements sont bulky un peu, là, tu sais, c'est carré, mais tu sais, c'est fait de même parce que faut vraiment que tu tiennes ton terrain, tu sais. Faut que tu, les pieds bien plantés, puis tu tires. Puis tu sais, tu bouges pas, voir rien. Mais non, c'est vraiment le fun comme jeu. Ouais, puis à 4 là, j'ai pas encore essayé à 4 personnes dans la même pièce, mais tu sais ça doit être un peu comme le jeu de Avengers Alliance qui avait avec Marvel dans le temps. Ah, c'était fun ça, X-Men Alliance. Ouais. 100% genre d'affaire là, tu sais, isométrique de même que tu diriges un twin stick shooter, mais là c'est ça, c'est dans l'univers de on tue des bébites puis pour la démocratie. Genre un mélange des Ultimate Alliance puis de Enter the Gungeon, genre. J'ai pas trop joué à Enter the Gungeon, mais c'est pas un bullet hell. On peut pas tant dodger les affaires. C'est pas un bullet hell, c'est pas vite, là. C'est vraiment bulky. Ah, okay, c'est vraiment comme Hunter the Reckoning. Il y avait un jeu, je sais pas si vous avez déjà joué à ça, c'était vraiment hot, ce jeu-là. Un jeu, tu butais des créatures surnaturelles, à 4, puis tu butais des zombies, tout ça. C'était sur le Xbox. Je me souviens d'avoir joué à ça vraiment avec beaucoup de monde très souvent. C'était un peu comme... Le jeu PlayStation Jedi Academy, c'est ça? Qui était super difficile, là, avec plein de Jedi. Tu peux jouer, entre autres, le Jedi avec la face Plo. Plo Clown. Plo Clown. Ouais, celui qui est pour les clowns. Ouais, exactement, Pro Clown. Ah, en tout cas, je pense que c'est son nom. C'est tous ces jeux-là qui étaient vraiment le fun. Un hack and slash à 4 personnes en. Oui. Puis donc, si vous le trouvez sur PS4, il est aussi cross-platform, donc PS Vita, PS4, très le fun. Helldivers. Excellent. Ça, je vais vous parler d'une couple de films que j'ai vu avant qu'on parle en courant dans ton défilm. OK, ben on va en parler après la pause. Yes, sir. OK, donc on fait une petite pause, une deuxième. Après ça, on parle de films. Conan nous dit ce qu'il a vu, puis je vous dis ce que j'ai subi. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaquent. Fait que, watch out.
à CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque! Oh yes, de retour de la pause, pendant que Eric se rafraîchissait. J'étais debout à Rolfan avec mon linge à des endroits douteux. Il se rafraîchissait le fan. Ouais, je me rafraîchissais la bédaine. Fait du bien. Donc! À l'instant, prépare-toi à la taper. Ouh! Oh, yes! Yes! Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'arsenal. Conan. Un des thèmes dont je suis le plus fier. Ah, donc, il est tellement à chaque fois. À chaque fois, trop hâte. Écoute, et en plus, la voix de Mikey, OK? On avait-tu baissé le pitch? Bon, ouais. Non, presque pas. Je pense que les effets, c'est l'effet de reverb. Ouais, de... Okay. Mais il atteint ce grave-là lui-même. Nice. C'est juste moi, ce voix-là. C'est comme ça que tu vois le genre, matin. Mais avec des effets. C'est... Ah, là, awesome. C'est cool. Awesome. Hey, qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine, les boys? J'ai écouté une couple d'affaires bizarres. Je vais commencer par le... Le truc que j'étais comme, ouh, peut-être que ça va être bon, parce qu'il me semble que quand j'étais jeune, c'était bon. Puis que finalement, pas tant. La mort lui va si bien. Dans la catégorie, ça a donc bien mal vieilli. Ouais. La mort vous va si bien, c'est avec Bruce Willis. Puis, Bruce Willis, aussi réalisé par Robert Zemeckis. Donc, Meryl Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn, entre autres. Meryl Streep, tu sais, c'est comme... Meryl Streep qui était... Dans une comédie cheap. Là. Ouais, c'est... Je me rappelle, ça passait à TVA tout bout de champ. Puis j'ai dû en voir des bouts quand j'étais jeune, mais je me souviens pas. Je l'aimais bien quand j'étais jeune. Ben, ça a comme un peu son charme, parce que, tu sais, c'est comme un peu une histoire d'un triangle amoureux. C'est une histoire un peu classique de triangle amoureux qui va mal, mais c'est parce qu'en même temps, les personnages font des affaires vraiment bizarres. Puis c'est quand même vraiment lugubre, tu sais, quand même. Oui. Ça banalise un peu pour l'affaire. T'es comme, ah, ok. Ok, I guess que c'est, je suis supposé trouver ça drôle. Mais je sais pas. C'est le genre de film qu'il pourrait avoir un remake aujourd'hui, puis je pense qu'il pourrait capturer. C'est le ton qui m'a vraiment. Je trouvais pas le ton dans le film. Ok. C'était pas. Ben, c'est de l'humour morbide. Là. C'est le fait de cadavre qui est mort, qui arrête pas de se faire tuer, genre, d'affaire de même. Ou... Ben, c'est parce que non, il passe un deal avec Isabella Rossellini, qui est, une sorcière ou satan ou whatever, et que donc, ils sont immortels. Donc, Ils boivent une potion. Ils boivent une potion, mais c'est parce qu'ils peuvent plus se réparer. C'est comme c'est des zombies, dans le fond. Ils deviennent des zombies, mais c'est parce que vu que Bruce Willis est un peintureur de cadavres. Un peintureur de bâtiment cadavérique. Un embaumeur. Un maquilleur. Il y a le skill pour faire que les deux restent belles. Ah, et donc, il essaye de réparer les dommages qu'ils subissent parce que, tu sais, ils se chicanent tout le temps. Donc, ils se tirent dessus. Donc, le trou dans l'estomac. Tu sais, c'était comme un peu. On dirait que c'était essayer des effets spéciaux pour des jokes. Ils sont comme. Ça va pas comme assez loin. C'est vraiment là. On dirait que c'est une comédie morbide familiale. Puis c'est bizarre. C'est bizarre. Puis, tu sais. Si c'est pas la famille Adams, on dirait que ça marche pas. Parce que c'est quelque chose qui est... On réalise pas que ceux qui ont réussi à mélanger ce genre-là, c'est-à-dire Burton avec Beetlejuice, OK? Mettons. Qui est probablement la seule et vraie comédie familiale morbide. La famille Adams aussi. Oups. Famille Adams aussi. Mais la justesse du script et de l'exécution doit être tellement précise que tous ceux qui ont essayé puis se sont plantés, on n'a pas idée. C'est pas facile à faire. Parce qu'il y en a eu quelques-uns populaires pendant les années 80. On se disait, ah, c'est un nouveau genre. Il y a plein de monde qui vont en faire. Non. C'est pas donné à tout le monde. Et celui-là s'avère être un exemple des moins bien réussis. Ça fait partie de ces films qui n'ont pas bien vieilli. Mais là, tu vois, cette semaine, je vais réécouter Gremlins 2. Mais je le sais que ça ressemble parce que je l'ai écouté il y a une couple d'années. Gremlins 2 est un bijou, un vrai bijou. Intemporel. C'est le bordel dans ce film-là. Ouais, je sais. C'est le bordel! C'est magnifique. J'avais vendu un paquet de vieux Blu-ray puis DVD à un moment donné pour acheter des films. Okay. Puis j'avais acheté les deux Gremlins en Blu-ray. Tu t'es pas débarrassé de Gremlins? Non. Je me suis procuré les deux Gremlins. C'est un bon callback à la sordité de l'État américain en ce moment parce que ça se passe dans la Clump Tower.
Ouais. C'est vrai, c'est Clump. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était une partie de Trump dans le temps. Ben oui. Hein, c'est vrai. Oui. Tu vois, Gremlins, là, il pourrait en avoir un 3, puis j'aimerais ça. Je serais hypé. Si, tu sais, le retour avec des effets spéciaux physiques et tout ça. Moi, je serais down. La Jim Henson Company qui est comme le dernier film de Mopette, personne n'irait le voir. Ah. Puis tu sais que j'ai raison. Hey, je sais bien. C'est triste. Je sais bien. Ce serait extraordinaire et tout le monde s'en foutrait. Ouais, je suis d'accord. C'est ça qui est de valeur. Ouais. Puis ils savent, on le sait, ça arrivera pas. Ouais. Mais le 2 existe, puis soyez heureux. Oui, le 2 existe. Le 2 est tellement meilleur que le premier. Quand j'ai vu le premier n'est pas très bon. Le premier, il y a plein d'inconsistances. Mais la petite affaire de comme, c'est cute, les maillettes sont le fun, mais le 2 est une coche au-dessus. Le 1, il a essayé de faire un film d'horreur legit. Ouais, c'est avec ça. Un peu de légèreté de Noël c'est au travers. Ça. Le 2, c'est une satire 100%. C'est ça. Début à la fin. Carrément. Qui parodie à peu près toute la culture populaire des années 80. Hulk Hogan est dense. Oui. Tout. Avec tout. Le style du monde vestimentaire du monde. Non, c'est vraiment, c'est un film à, hey, ils ont payé les droits de la toune de Batman. Pour une scène, pour avoir le logo. La gargouille. Qui traverse le mur sur le logo de Batman, puis la toune part des toune des films de Tim Burton. Oui, Danny Elfman, c'est malade. La gargouille dans Scream Queens m'a donné des cauchemars quand j'étais jeune. Ben, l'araignée. Mais l'araignée, pas tant, parce que, tu sais, la gargouille, je sais pas, me faisait vraiment plus peur. Moi, c'était vraiment l'effet stop motion sur cette gargouille-là me donnait à chienne. Je sais pas pourquoi, la manière qu'elle bougeait. C'était creepy. Ou le Grenade qui était comme fou intelligent, là. Oui, le scientifique. C'est ceux qui parlent, qui sont bien articulés. C'est lui qui fait des expériences. Il était cœur. Hein. Celui qui déguise en fille aussi. Quel classique que j'ai hâte de me retaper en 2019. Vraiment, là. Pour payer un film qui compte pas au monde des films cette année. Mais, oh my God. Ça va faire partie des bons films. Ben, écoute. T'as-tu fait une semaine dans la Nostalgia Lane? Non, mais c'est parce que j'ai downloadé plein de vieux films pareils. Il y a plein de vieux films qui sortaient en Blu-ray. Ouais. Donc, j'ai profité de ça. Mais j'ai écouté une nouveauté que le titre me tournait 100% off. Le titre, là, j'étais comme... Si c'était pas de tout le monde qui me disait non, c'est vraiment le retour de Steven Soderbergh. Parce que j'avais même pas. Unsane. J'avais même pas passé le titre pour aller voir c'est qui réalisait ça, tellement que le titre me faisait comme. Le film qu'il a tourné comme iPhone. Et, iPhone 7, ouais, exactement. Ouais. Unsane, c'est l'histoire d'une fille qui, va d'elle-même. À l'hôpital, pas à l'hôpital psychiatrique, mais tu sais, elle va comme à l'hôpital pour dire ben là, écoutez, je pense que tu sais, j'ai besoin d'aide. Tu sais, j'avais un stalker avant, puis que tu sais, j'ai besoin d'aide. Mais sauf que là, son stalker travaille à l'hôpital. Est-il vraiment son stalker? C'est pour de vrai, là, c'est un cauchemar, ce film-là. Un vrai cauchemar, c'est comme, non, mais je vais sortir d'ici, là. Non, tu sortiras pas d'ici. Je pensais pas. Parce que là, je veux écouter ce film-là parce que c'est Soderbergh. Vraiment, là. L'expérience de filmer avec une caméra d'iPhone, c'est comme, ça m'intrigue de voir comment le film sort. Je l'aurais pas su, ça m'aurait pas dérangé. OK. Mais, il faudra que je passe par-dessus une de mes phobies. C'est-à-dire que j'ai une phobie physique. Exemple, je suis claustrophobe. J'ai réalisé que j'étais claustrophobe quand j'ai écouté The Descent. OK. Ah ouais. J'ai angoissé physiquement d'une façon extraordinaire dans ce film-là. OK. T'as jamais été dans une situation qui appelait à la. Oui. Quand j'étais jeune, oui. Puis je voulais que ça arrête. Tu comprends? Okay. Mais j'avais pas réalisé à quel point c'est une phobie avant que j'écoute ce film-là ou ce que j'étais en sueur. Puis ça m'a pris tout mon petit change pour finir le film. Alors, good job au réalisateur. Là, je l'ai adoré à cause de ça. Oui. Parce qu'il a triggeré, entre guillemets, ma phobie. Wow. Et là, un autre de mes phobies depuis que je suis jeune, un des cauchemars que j'avais récurrent quand j'étais très jeune, c'était de me faire interner, d'essayer de prouver à tout le monde que j'étais pas fou. Puis de me faire mettre dans un asile quand même. Puis d'essayer de trouver des arguments pour prouver que je suis pas, puis que ça fait juste m'incriminer plus. Je partage cette peur-là, moi aussi. C'est extraordinaire comment ça m'effraie. Ça, je te jure, tu vas capoter. Parce que, tu sais, elle est comme, non, mais tu sais, c'est genre 3 jours, puis que le monde soit là, non. Parce qu'elle, en fait, dès qu'elle voit son stalker, comme, non, mais moi, je m'en vais d'ici, là. Ah oui. Puis là, ils sont là, oui, mais non, c'est pas ton stalker, parce que là, c'est un gars qui travaille ici depuis longtemps, là. Wow. Tu sais, pour de vrai, là, tu sais, j'étais émotionnellement investi bien raide dans cette affaire-là. Tu m'as pas encore amené vers une mauvaise voie dans tes suggestions. Donc, je vais écouter ça bientôt. J'ai écouté un film ce matin. Ce film-là, là, je l'avais oublié. Je l'ai réécouté. Puis je vais dire quelque chose de peut-être controversé. Mais je pense que c'est le film avec la meilleure représentation des extraterrestres. Puis. Une des bonnes, non pas tant une des bonnes performances de Nick Cage, mais le film Knowing. Avec la time capsule, puis la série de dates. Exactement.
Exactement, parce que ça rentre aussi là-dedans. C'est un, je sais pas si tu l'as vu. Oui. Le design extraterrestre est vraiment... Je me souviens pas. C'est pour de vrai là, j'ai trouvé ça choquant de brillant, de c'est tellement intelligent parce que ils prennent exactement. C'est très court par contre, on s'entend. Puis oui, on dans No Wing, le message biblique m'a un peu comme. Ouais, tu sais, c'est parce que c'est le fun. Puis en plus, la fin est le fun parce qu'on voit l'apocalypse. Pour une fois, on la voit la maudite goddamn apocalypse. On la voit arriver de manière extrêmement cathartique parce que tout pète. Mais vraiment, c'est vraiment le design des extraterrestres que je trouve que. Parce qu'ils ont vraiment pris des vieilles gravures, puis ils ont adapté ça comme, OK, de quoi ça aurait l'air un chariot avec des roues, des yeux sur les roues, avec des... Puis shit, le design, c'est exactement ce que du monde, v'là 2000 ans, aurait écrit s'il avait vu le design qu'on a vu dans le film. La représentation des hiéroglyphes, là, ça serait comme... Ben, c'est pas les hiéroglyphes tant, là. Les designs qu'il prend, c'est plus les, dans la Bible, là. En tout cas, je tombe dans Il y a deux films de Nicolas Cage que je mélange, qui sont sortis à peu près en même temps. C'est-tu dans celui-là qui a les cheveux bizarres puis qui vaut 5 secondes ou 10 secondes dans la fin? Non, ça, c'est Next. Next. Que là, il voit des, j'adore des multiples de Nicolas Cage. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Ça faisait partie de ses cheveux ridicules aussi, parce que ça... Ouais. Déjà, quand tu regardes ce film-là, No Wing, t'es comme, oh my god, something's up avec les cheveux. Mais, sa performance est assez, et pas, tu sais, c'est pas cage, c'est pas out of the cage, là, okay. Il est assez tame. Une fois qu'il pète des coches parce que personne ne le croit, parce que sa liste de chiffres, puis comme, non, j'ai raison. Mais il y a aussi le film Raptor, ça là qui est pas. Non, pas Raptor, film sur le Raptor. Ça s'appelle, je pense. Raptor. The Raptor, mais c'est ça. Mais on dirait que les deux, le monde ont comme, mais No Wing, c'est vraiment meilleur que Raptor. Mais pour de vrai, No Wing. Dans ce que ça veut être, là, je pense que ce film-là, c'est pas mal. Tu sais, je dirais un. C'est le meilleur de sa batch récente, mettons, de films avec une fin surnaturelle bizarre. Ouais, mais aussi dans les. Des films surnaturels d'anges qui arrivent et qui parlent des prophéties. Il y en a eu, là, des millions, puis ils sont tous un petit peu plates, puis toujours comme. Mais lui, il assume. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je pense que c'est le meilleur. Il choque pas. Comme finalement, tout le monde est sauvé, puis le couple. Non. Tout le monde meurt, à part les enfants, parce que les enfants sont choisis, parce qu'évidemment, whatever, leur raison de. C'est pas grave. Mais le design des aliens à la fin. Alors, vraiment, là, ce film-là m'a charmé quand même. Malgré le fait que c'est ultra cheesy et pas très très brillant. Puis c'est bon. Je pense que c'est pas mal fait ça que j'ai écouté cette semaine. Bon, mais faisons une pause musicale à ce moment-là. La chanson de la semaine 3! Alors, un petit spoiler, je vais spoiler un peu deux des films que j'ai vus dans mon défilm cette semaine. J'ai écouté une des sagas de Jackie Chan que je n'avais pas vu encore. C'est vrai, t'avais pas vu Police Story? Non, pas encore. C'est vieux en plus, ça. Ah oui, 85 le premier, 88 le deuxième. J'ai écouté les deux premiers. Donc, jeudi et... mercredi et vendredi, j'ai écouté les deux premiers. Un des points communs entre les deux, d'un, ils se suivent de très près. Okay. C'est quasiment tous les mêmes acteurs, ça se passe quasiment direct après, et l'histoire est intrinsèquement reliée au premier. Dans le deux, là. Donc, c'est le fun d'écouter ces deux-là presque back-to-back. Et la toune de fin, le thème de Police Story s'appelle Story of a Hero. Et c'est performé par notre Jackie Chan lui-même. Pour vrai? Qui chante en mandarin. En cantonais, en tout cas. Dans sa langue. En chinois. Ici, au Geek Contre-Attaque, on est language neutral. Donc, il parle dans sa langue d'origine. Peu importe laquelle elle est, il fait ce qu'il veut. Hein? Donc, oui, c'est ça. Donc, Jackie Chan nous chante. L'histoire d'un héros, c'est le thème de la saga de Police Story. Donc on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Thank you.
Alors, on vient d'entendre Story of a Hero, interprété par Jackie Chan lui-même, donc la tune thème de la série Police Story. Malade. Et je vous en parle dans quelle chronique, donc? Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours, Éric Lajoie vous présente... Des films 2018. La marque du 200 est atteinte. Oui, j'ai rendu au 201e film nice. Que j'ai vu. Et bon, tout d'abord, je vais vous nommer qu'est-ce que j'ai vu cette semaine rapidement. Samedi dernier, j'ai écouté un film que j'avais complètement passé à côté quand j'étais jeune, qui est un classique, là. Quand je dis un classique. J'ai écouté Top Secret avec Val Kilmer de 1984. J'avais oublié que t'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. C'est malade. Et quand on a eu cette discussion-là à Rivière-à-Pierre, t'étais présent, et Dominique m'avait dit, t'as pas vu ça, on l'écoute. Mm-hmm. Fait qu'il est venu chez nous, on l'écoutait. J'avais vu Airplane, donc y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est bien meilleur qu'Airplane. J'avais vu Naked Gun, donc l'agent fait la farce. Je n'avais pas vu Top Secret. Non, Top Secret, c'est mortel, ce film-là. Oh, c'est drôle. C'est mortel. Mais c'est drôle. Ça, chaque seconde, il y a des gags, tout le temps. Oh, les gags visuels, le commitment à certains gags visuels est extraordinaire. Et c'était le premier film de Val Kilmer. Ouais. Il était jeune. Il était très jeune. Ouais, c'était avant Top Gun, avant pas mal de films. Ouais. Ouais, je pense qu'il avait genre 18-19 ans. Ouais, Top Gun, c'est le troisième film de son contrat de trois films. Shit. Hein? Ah non, mais Top Secret, il l'a fait souviens... parce qu'il était forcé de respecter son contrat. Ça, il tentait pas de faire Top Gun. Ah, en tout cas, hein? Il était une chance qu'il l'a fait parce, ben, parce qu'il est probablement parce qu'il a lu le script. Ouais. Ah! Ensuite, dimanche, j'ai écouté A Perfect Getaway, film Nowhere sur Netflix avec Mila Jovovich, Timothy Olyphant et qui d'autre aussi? Ah, et Chris Hemsworth. Bref. Un film de couple de jeunes mariés qui s'en vont à Hawaï, mais il y a des rumeurs d'un couple meurtrier qui tue des gens. Et finalement, il y a une twist et tout ça. Puis le film, la cinématographie est bonne, l'intrigue est le fun. Il y a une grosse révélation. Le film repose sur une grosse twist à la fin du deuxième acte. Le problème, c'est que ça, c'est pas si surprenant que ça. Et malheureusement, le script nous avait placé des fausses pistes. Ah, ça, c'est terrible. Hein? Qui, une fois que tu sais la twist, était juste faite pour pas que tu t'en doutes, mais que cette scène-là aurait jamais dû arriver si ça avait été le cas. Okay, ouais. Et là, t'es comme, oh, come on. J'étais insulté. Mais j'ai quand même aimé une grosse partie du film assez pour lui donner une cote de 3, dans le fond, la normale. Genre, correct. Ça passe, mais... Ça passe. Puis Jovovich est solide dans le film. Elle a plus de substance dans ce film-là que de l'entièreté des films de Resident Evil. Ça prend pas grand-chose, hein? Ouais. Mais c'est mieux que... Ensuite, j'ai écouté Lundi avec Mikey. En personne. Un film que ça fait longtemps que tu me suggères d'écouter. À toutes les fois que j'allais chez eux, je disais, oh, je sais pas, on écoute-tu Babadook? Puis là, ah oh, non, on regardait. Puis là, j'y ai dit, non. Là, aujourd'hui, j'ai le goût d'écouter un film que j'ai déjà vu avec toi. Oui. C'est de Babadook. Parce que Mikey s'est fait brûler à plusieurs reprises à écouter des films vraiment mauvais avec moi. Oui. On a pris des chances, puis on s'est planté souvent. Oui. Fait qu'on a écouté de Babadook. Hein? Quel extraordinaire film d'horreur. Quelle performance incroyable. Ah, ça a coûté 2,5 millions. C'est rien, ce film-là. Mais quel... C'est... Wow. Script, performance d'acteur incroyable. Direction photo aussi, qui a l'air de rien, là. Mais... Pour vous donner un exemple, pour vous mettre en contexte, le budget de Babadook est trois fois moindre que celui que The Room a eu, tu sais. En tout cas. Ouais, tu sais. Bon, puis, mind blown. Mais c'est ça. Non, écoute, c'est malade. Puis ce que j'aime, c'est que le film te garde dans l'ambiguïté de trois scénarios tout le long jusqu'à la toute fin. Mm-hmm. Est-ce que la fille est juste comme complètement en deuil, puis c'est ce qu'elle s'imagine dans sa tête? Est-ce que c'est vraiment une entité surnaturelle? Ou est-ce que c'est vraiment... Le jeune qui a un problème. Ça peut être tellement de choses. Et il n'y a jamais rien qui est adopté de façon claire. Donc, le film te laisse interpréter à ton goût. Et la fin me sacré sur le cul. T'as entendu ça? Moi aussi. Pourquoi ça me sacré sur le cul? Parce que la fin, personne gagne. Ouais. J'ai été longtemps y penser. Là, pourquoi casser? J'adore ça. Parce que c'est pas une résolution de bon, c'est vécu heureux beaucoup. Non. C'est pas une résolution. On a tué le monstre et. Une fin glauque pour juste être glauque non plus. C'est une fin d'horreur, on tue tous les protagonistes. Vous l'avez pas vu? C'est même pas ça non plus. C'est plus clever que ça. Et je viens de me rendre compte que les trois pistes qui nous amènent de façon égale, ben c'est soutenu ça. Jusqu'à la fin, même à la fin, tu peux encore. Oui. Tu sais?
Ouais. Ah non, j'ai adoré ça. J'ai adoré The Babadook. Ce film-là, là, c'est aussi une belle métaphore sur la dépression. Oui. Puis, tu sais... Tu la vois tranquillement devenir de plus en plus insane. Aussi, quelle performance d'actrice. Une affaire qui m'a comme donné la puce à l'oreille dans la direction artistique. J'étais comme, hey, OK, cette affaire-là, ça n'existe pas. Puis là, c'est là que j'ai réalisé la couleur grise dans ce film-là. Oui. Et les gants à vaisselle. Partout, OK. Ça, la mère, à un moment donné, fait la vaisselle, elle a des gants à vaisselle gris. C'est là, j'ai fait comme des gants à vaisselle gris. Qui a des gants à vaisselle gris? Là, j'ai réalisé que tout était gris partout. Puis là, c'est comme, oh my God! Là, tu sais, tu réalises, il y a tellement là, de petits détails, le fun dans ce film-là. Vraiment, c'est capoté. Puis, sérieusement, là, la scène qui est dans le char, puis elle demande, why can't you be normal? Puis il se met à crier, là. Ça m'a quasiment donné le goût de, je veux pas avoir d'enfant, là. Hey! Et pourtant, ton opinion du kid change bout pour bout pendant le film. Parce que c'est lui qui devient la pierre d'assise de sanité à l'intérieur de cet environnement-là. Puis c'est la mère qui prend le rôle du kid. C'est capoté comment il te fait changer de... Tellement le fun qu'on va parler d'un autre film. Parce oui, que... j'ai juste hâte de voir ce petit kid-là dans le projet futur. J'ai écouté Ninja Assassin mardi. J'en parlerai pas longtemps parce que c'est style par-dessus substance. C'est correct, mais à quoi s'attendre d'un film ninja fait par des Américains? En plus, c'est le gars qui avait fait V for Vendetta, qui avait produit ce film-là. Okay. Qui avait réalisé le film. C'est pas les... Non, c'est Wachowski, ils ont assisté. Okay, ouais. C'est des producteurs exécutifs, mais ils n'ont pas touché au film. Mais bref, c'est... Ninja Assassin. C'est ça. Il y a du sang. C'est ça. On était voir Incredibles 2. Yes. Oui. Oui. Hein? C'est-tu bon? C'est malade. C'est malade, hein? Et puis, après 15 ans qu'ils réussissent à, de façon tellement fluide, à continuer à la seconde où le premier finit, et le ton reste identique. T'as vraiment l'impression d'écouter la deuxième partie d'un film de 4 heures. C'est ça. Pas un film qui a été fait 15 ans plus tard. J'ai tellement hâte de réécouter le premier, tu sais, après le deuxième play. Oui. Vraiment. Et la scène du raton laveur, t'avais raison. Malade. C'est épique. Malade. les faces que Jack fait, là. Ah, puis les scènes d'action sont épiques dans ce film-là. Oh, oui, les combats, la fluidité dans tout. Elastogirl est vraiment badass dans ce film-là. Puis ça file pas forcé qu'elle soit la main protagoniste dans ce film-là. Pas du tout. C'est de la robot. C'est legit, puis oui, incapable de torcher, solide. Puis, non, honnêtement, là, c'est meilleur que bien des films de super-héros qui ont mis plus de budget que ça dans les films. Ben oui, vraiment, solide. Vraiment, vraiment. Et j'ai écouté les deux premiers Police Story de Jackie Chan. C'est pour ça que je vous ai fait écouter la toune. Et je suis un gros fan de Jackie Chan. Un gros fan depuis des années. Depuis, j'ai écouté Rumble in the Bronx à l'époque. Donc, Zizanie dans le Bronx. Oui! Ah, ça c'est... Moi aussi, ça a été ma découverte. C'est extraordinaire. Puis, Jackie Chan contre-attaque, qui est Police Story 4. Anyway, j'ai tombé en amour avec le gars. Et j'avais commencé ma collection de films en VHS par la suite. J'ai essayé d'acheter tous les films de Jackie Chan. J'ai presque réussi à l'époque, mais il y en est sorti beaucoup depuis. Puis, les films asiatiques étaient très difficiles à trouver. Et là, je suis en train de faire un callback. J'en ai vu une couple de ces films des années 80, mais pas toutes. Et là, j'avais jamais vu Police Story. Classique. Et cette semaine, j'avais vu une entrevue de lui. J'avais lu une entrevue de lui qui parlait que c'était ton film préféré à lui personnellement. Parce que c'est le premier qui a eu une carte blanche, qui a eu un blank check pour faire le film. Et étant un fan invétéré de Jackie Chan, est-ce que c'est ton préféré aussi de son œuvre? Non. Non. Mais ça n'en fait pas moins d'un chef-d'œuvre, par contre. Ouais. C'est l'envergure des cascades et imbécile, mais ça n'a pas de sens les risques que tous les stuntmen, y compris lui, ont pris pour le premier. C'est même pour des scènes que tu te dis, mais voyons, il n'y a aucune chance que ce gars-là s'est pas pété 8 côtes. C'est malade. C'est malade. Et j'ai écouté le 2, qui est moins hot à cause des cascades puis de l'action, mais il a essayé de se légitimiser en tant que réalisateur. Il est mieux écrit, prend beaucoup plus de temps sur l'enquête, sur son travail policier avec ses collègues de police pour faire une enquête. Puis c'est plus un legit film policier avec des scènes d'action cool. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est revenu au style plus éclaté des films par la suite. Mais non, une belle paire de films que j'ai aimé tous les deux. Mais le 1 est complètement capable. La scène du centre d'achat à la fin, ça a pas de maudit bon sens. Et c'est Jackie Chan à 31 ans dans son prime qui dirigeait, qui actait, qui faisait toutes les stunts. C'est du bonbon. Honnêtement, la scène de la fin, il se pète de la fausse vite là-dedans comme t'as pas idée. Là. C'est capoté raide. Donc c'était ça mon défilm cette semaine. Ben oui. Puis c'était ça l'émission aujourd'hui. Bon. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Mais c'est ça.
Mais nous autres ici, on est air neutral au Geek Contre-Attaque. Donc, que t'aies les cheveux frisés ou les cheveux plats, nous, on est égal avec tout le monde. Donc, hey, merci à Conan d'avoir été là. Merci à toi, mon cher. Yes, je remercie aussi Stéphane Goulet, bien sûr, qui nous a quittés au deuxième émission. Je remercie également Mikey G à la console. Je remercie toi, Conan, Stéphane, tout le monde qui nous écoute, qui nous télécharge aussi sur iTunes, sur le site de CKRL. Et ben, de la musique latine s'en vient avec Musisol pour vous éclater. Pour fitter avec la température ambiante d'aujourd'hui ou de peu importe la journée que vous écoutez le show. Donc, merci d'avoir été là. On se repogne la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.